Allez, bienvenue sur le podcast du Crêpier, ici c'est Patrick, dit le Père d'Héroïque. Alors écoute, si toi aussi tu as envie de venir sur ce podcast, envie de raconter ton aventure, tu faisais tout à fait autre chose, tu es devenu crêpier, tu es parti au bout du monde, tu as réussi ton aventure crêpière, mais peut-être aussi l'as-tu fermé quelques temps plus tard. Mais écoute, ça vaut le coup toujours de le raconter et ben, je t'invite à prendre simplement contact avec moi, tu vas forcément trouver un mail, par exemple patrick@écolecrêperie.com, écolecrêperie en un seul mot.com, et puis tu m'écris, ça m'intéresse, et voilà, c'est gratuit, on raconte une histoire. À très bientôt. Eh bien, aujourd'hui, de l'autre côté du micro, eh bien, j'ai Nicolas. Nicolas qui était venu se former avec son fils Martin en mai 2019. Et tu vas voir, c'est génial parce qu'à travers notre échange enregistré, il donne énormément de conseils. Donc, c'est quelqu'un qui avait effectivement un autre commerce dans le temps, qui a été cuisinier, qui est passé à autre chose, qui est revenu dans le monde de la crêpe, etc. Alors, tu vas voir, c'est génial parce que... quelques 8 mois après avoir ouvert, ils vont se manger, comme beaucoup de gens, les gilets jaunes, la Covid, etc. Mais il t'en parle avec tant d'enthousiasme, il te donne tellement de conseils, même de certaines recettes, que tu ne peux pas louper ça. Mais voilà, parfois 150 à 180 couverts de midi, mais vraiment, et en 2 heures. Et je te laisse écouter ça parce que c'est bien raconté, c'est en toute simplicité. Et puis, quel plaisir de recevoir ces anciens élèves. Voilà, vraiment, merci et puis à très bientôt. Bye bye, écoute bien, tu vas voir, ça va te plaire. Bien, voilà aujourd'hui. Hop, mon cher Nicolas, tu es de passage. Tu viens me rendre une petite visite parce que, alors on ne va rien cacher, tu es en train de faire une thalasso et tu t'es dit, je vais aller voir le Père l'Héroïque. Ouais, hein, super. C'est ouais, gentil. Salut Patrick. Salut à toi. Tu as fait la formation quand hein, avec moi? C'était en 2019, mois de mai, je crois. Ouais, ça va être ça, et accompagné notamment de Martin. Ouais, du fiston. Du fiston. Et je vais te laisser te présenter, en fait, ton établissement, il est où, etc., comment il s'appelle, blablabla. Absolument. Donc, écoute, après la formation chez toi, on a acheté un établissement à Levallois-Perret, au bord de Seine, qui s'appelle Côté Seine. C'est un établissement qui a à peu près une capacité en salle de 80 personnes et une terrasse de 50. Et l'été, une terrasse supplémentaire de 70. Ouais. Et donc, parce que géographiquement, c'est entouré de bureaux, d'habitations, c'est une place où il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic routier, c'est une place complètement fermée, donc il n'y a que des vélos et des trottinettes qui peuvent arriver. Ouais. Et on est 5 restaurants sur cette place. Donc, tout autour de cette place, au-dessus des restaurants, c'est des habitations. Et tout aux alentours, ce ne sont que des bureaux. D'accord. Il y a L'Oréal, il y a BASF, il y a plein de choses. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est le rush le midi. Ça commence à midi et quart et ça finit à 2 heures. Ouais. Et dans ce petit laps de temps, on se fait démonter. C'est pas étonnant. Donc, c'est super. Combien de personnes en cuisine et en salle? Alors, équipe complète pour l'été, parce que l'été, il faut être au complet. On est 3 à servir fourneau, plus une plongeuse qui nous fait les desserts. D'accord. Et en salle, on est 6. Ah ouais, c'est énorme quoi, quand même. Ouais, ça tourne. Et alors, initialement, autant que je m'en souvienne, tu n'étais pas du milieu de la restauration. Si. Alors moi, si. C'est Martin. C'est Martin. Alors moi, mon métier, c'est cuisinier au départ. Ouais. Cuisinier simple. Et Martin n'était pas du tout de là, mais comme il travaillait avec nous au départ, là, il n'est plus avec nous, il est parti faire autre chose. Ouais. Mais il fallait que je le forme au cas où il arrive quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé, où il a fallu qu'il me remplace pendant 15 jours. Et Dieu merci, il était formé pour faire les crêpes, parce que quand on fait 180 couverts le midi, il vaut mieux savoir tourner. Il faut quand même qu'on amène une précision, parce qu'il n'y a pas que les crêpes et les galettes dans l'établissement Côté Seine. Non, il y a une partie donc crêpes-galettes, où j'ai 13 galettes différentes, plus les complètes, etc. Je parle de galettes vraiment variées. Et à côté, j'ai tout un coin brasserie qui va du club au burger, à l'omelette, aux viandes. Il y a un gros choix et tout est fait maison. Alors, comme tu me l'expliquais, on va faire un petit aparté là-dessus aussi, c'est que toi, tu as vécu 2 événements un peu comme tout le monde, mais toi, c'était vraiment très spécifique. C'est-à-dire qu'il y a eu l'épisode Gilets jaunes, et comme tu es sur une place fermée, avec des accès métro, tout était fermé. Tout était fermé. Donc, on est arrivé, on a fait 8 mois où on s'est super bien éclaté, on a très bien travaillé, on a commencé à se faire une clientèle. Épisode Gilets jaunes, donc ils nous ont fermé le métro, donc il n'y avait plus personne dans les sociétés, donc on faisait 30 couverts le midi. Ah,
Donc là, ça fait du monde pour prendre couvert. Ils étaient bien servis. Tu commences à perdre tes cheveux. Ouais. Donc j'en ai plus beaucoup, mais là j'en ai encore moins. Et puis donc après il y a eu la Covid. Ouais. La Covid. Donc là ça nous a, c'est ma fermeture complète quoi. Donc là c'était vraiment tendu. Ouais. Après on a rouvert, donc on a recommencé à se refaire une clientèle parce que le problème c'est qu'à chaque fois les clients ils perdent leurs habitudes, etc. Et faut se refaire connaître. Il faut que les gens reviennent chez nous, etc. Donc là, les gens ont commencé à revenir. Redeuxième fermeture, pas le Covid. Donc voilà, on remet ça. Bon, là, on était un peu rodés, donc on sentait le coup venir. On avait préparé un petit peu. Là tu n'avais pas des grands regrets, là, tout d'un coup? Oui, là, je m'étais dit, j'aurais dû attendre un an avant d'acheter. Oui, mais on ne savait rien. On ne le savait pas. Ouais. Personne ne pouvait prévoir ça. C'est un truc incroyable. Ça n'est jamais arrivé, quoi. Ouais. Donc, donc refermeture, et puis là, donc on a rouvert. Donc depuis qu'on a rouvert, on est content parce que on refait donc notre clientèle. Il n'y a plus de fermeture de prévu. Donc on est tous vaccinés avec 3-4 doses. On a la 4G, 5G, 6G, on est bon. Doublement vacciné en fait. T'as l'expérience d'un côté, donc t'as réagi, c'est le premier vaccin, puis après il y a les vaccins. Ouais, on a réagi comme on a pu, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Moi c'est la première fois que je ferme un restaurant en urgence avec toute la marchandise, le truc, etc. J'ai jeté, mais grave. On a essayé de donner à tout le personnel, mais il y a un moment... Quand on nourrit 130 ou 140 personnes sur un midi minimum, même si on est 10 en personnel, les gens ne prennent pas... Donc on a acheté beaucoup. La deuxième fois, on avait anticipé, donc on a acheté beaucoup moins. Mais c'est chaud, quoi. C'est un truc à vivre, c'est tendu. Quand on est un chef d'entreprise, quand on voit ça, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Maintenant, écoute, c'est derrière nous. Mais c'est une expérience qui nous a enrichi. Bah, complètement. Enrichi. Alors, effectivement, avec Martin, vous étiez venu vous former ici. Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, avec ton expérience à toi, parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite confusion en pensant que tu n'étais pas de la restauration. C'est vrai que tu as bien raison de me le rappeler, que tu étais initialement de la restauration. Mais ce que je me rappelle, à moins que je ne me trompe, tu as eu un établissement où tu étais un spécialiste du cigare. Ouais. Ah, j'ai une bonne mémoire. C'est bon. Le parcours professionnel, j'ai eu, donc là c'est ma cinquième affaire, j'ai eu trois affaires où c'était des brasseries, où j'étais dans mon élément, etc. J'ai vendu, donc c'était en 2007, j'ai vendu une brasserie, je voulais retrouver quelque chose d'un peu plus grand, et puis j'ai pas trouvé. Ouais. Puis au bout de 6 mois, faut quand même travailler, quoi. Donc, quand on est à son compte, c'est pas d'alloc. Non. Donc, c'est bien de le préciser. On touche rien. Hein, quand on travaille pas, on touche rien. Donc, c'est mon comptable qui avait un client qui voulait vendre, mais qui voulait pas que ça se sache. Ouais. Et c'était une civette, donc spécialité de tabac. Il vendait un peu de cigares, mais c'était pas un spécialiste du cigare parce que lui fumait pas. Moi, malheureusement, je fume beaucoup, donc le cigare. Ouais. Donc, c'est ma passion. Et donc, j'ai pris ça. J'ai pris ça. Et ça devait durer 3-4 ans. Ça a duré 14 ans. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens. Et toi, tu as fait une cave à cigares. Voilà, un truc de dingue. On était à 170 références. On était classés dans les 10 meilleures civettes de Paris, quand même. Ouais. Donc, on était devenus les fournisseurs. Quand ils voulaient lancer un cigare sur le marché, ils m'en laissaient à déguster. Ils disaient, tu nous dis ce que tu en penses, ce qui va pas, etc. Ouais, tu venais de référence. Ouais. C'était ça. Ouais, c'est sympa. Alors aujourd'hui, toi évidemment, tu as l'habitude des affaires, tu as l'habitude de la restauration, etc. Si tu devais, il y a plein de gens là qui vont nous écouter, qui ne sont pas forcément issus de la restauration, qui veulent lancer leur business crêperie, je vais dire ça comme ça, pas forcément un grand établissement, ça peut être un food truck ou devenir des spécialistes de l'événementiel ou avoir une petite crêperie. Quel conseil tu leur donnes? Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil? Déjà, de venir chez toi. Oui, mais on va y revenir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour créer une entreprise, il faut avoir certaines qualités, à ton avis. Il faut déjà avoir très envie, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Ouais. Si ça, on n'a pas déjà, qu'on se dit, je vais faire ça en attendant de faire autre chose, puis ça ne m'intéresse pas plus que ça, il faut oublier. Là, on est maintenant dans une j'irais une ère où la restauration, c'est plus je fais n'importe quoi, etc. Les gens sont hyper exigeants. Ouais. Moi, je sais qu'il y a plein de gens, à chaque fois, vous faites ça, c'est maison, c'est pas maison, comment vous faites ça, Donc la critique est très facile. Ouais. Maintenant, vous avez des émissions de cuisine partout, tout le monde essaie de... Ils sont tous chefs Estebèche. Voilà. Ils se prennent tous pour Estebèche et ils vont tous te donner. Donc il faut connaître son produit, il faut savoir ce qu'on fait. Ouais. Il faut aimer ce qu'on fait.
Mais y compris sur un petit commerce, ah, mais tout. Un food truck, une remorque. Mais nous, sur les crêpes, moi, j'ai des clients sur les crêpes qui viennent me dire « Mais non, mais moi, à la maison, je ne fais pas comme ça. » Et je leur dis « Ouais, mais vous êtes à la maison. » Oui, il faut leur dire, mais ta grand-mère, elle est morte. C'est ça. Non, mais les gens, maintenant, c'est ça. On est dans un nouvel ère. Moi, il y a 30 ans, personne ne disait ça. Hein? Tout le monde disait « Le chef, c'est bien, super, machin. Ouais. » Et on donnait... Maintenant, tout le monde veut donner son avis, etc. Et ouais. La deuxième chose, c'est de savoir tenir des comptes, tenir une affaire, gérer une affaire, la gestion, ouais. C'est très important, quoi. Et aussi la promotion. Promotion, maintenant on est dans un ère numérique où tout, ouais. Beaucoup de choses se font sur le net, sur les réseaux sociaux, etc. C'est hyper important. Ça, c'est moi, c'est pas ma génération, j'ai 57 ans, 56 ans, bientôt 7. Moi, c'est mon fils et ma fille qui me disent, mais il faut faire ci, il faut faire ça, mets-toi sur WhatsApp, envoie des trucs, fais des vidéos, etc. Moi, à chaque fois, je dis, bah, ouais, mais bon. Et eux, ils sont là, ils m'envoient des trucs sur WhatsApp, à chaque fois, ils envoient les plats, ils me prennent en photo tous les plats. Dès qu'ils sont chez moi, ils me prennent en photo les plats, ils mettent ça sur les réseaux, etc. Et là, ça réagit. Mais ça réagit. Mais il n'y a pas de choix. Moi, tu sais, quand des gens viennent se former là et qu'ils me disent... Ils arrivent ici, puis ils me disent que, comme tu sais bien, moi, je dis tout le temps, tu peux prendre des photos, tu peux prendre des vidéos, mais sans truc, parce que c'est aussi ma promo. Et tu as des gens qui me disent, ah, écoute, moi, je n'ai pas envie que tu me prennes en photo, je n'ai pas envie d'être vu. Mais je lui dis, n'ouvre pas boutique. Aujourd'hui, tu as 50-30% de ta clientèle qui vient par là. Donc, si tu te caches, mais tu vas vraiment être caché. Autant te mettre deux bacs de sable sur la tête. C'est quoi. Ça. Moi, je sais que pendant le service, en fin de service, donc j'ai une équipe avec moi en cuisine, etc., moi, je sors. Oui. Quand les gens sont à l'addition, je vais au contact de la clientèle et je leur dis tous comment ça s'est passé. Avez-vous bien mangé? Et là, ils sont contents. Ils ont le chef en direct. Donc, ils se permettent des trucs. Et on arrive souvent à délier un peu, des fois, des gens qui me disent j'ai été déçu par ça ou par ci. Oui, tu leur as donné l'occasion d'en parler. Mais donc, tu reçois la critique, tu les écoutes déjà. Oui. Donc, ils sont contents. Et d'ailleurs, souvent, les gens me disent merci, chef, d'être venu. Qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir dialoguer. Être reconnu. Voilà. Donc, et moi, je leur explique. Alors, il y a des fois, je leur dis, effectivement, il y avait un gros service. Peut-être qu'on s'est loupé sur un truc ou deux, mais si c'est des habitués, je leur dis, vous êtes habitués, vous savez très bien que d'habitude, ça nous est arrivé. On peut faire des loupés, mais il faut savoir le reconnaître. Tout à fait. Et des fois, je leur dis, je regarde ma femme, je fais, tu prends les cafés, c'est pour nous ou quoi que ce soit. Oui. Ils sont contents, il y a un geste, on les a écoutés. Mais si on ne va pas les voir... C'est bloqué. Ah ben oui. Ça bloque. Ça devient des haters presque. Oui, c'est-à-dire qu'après ils vont dire oui, ils sont éteints, ils viennent pas nous voir, on leur dit que ça va pas, ils se déplacent pas pour en parler, etc. C'est mort. C'est mort. Et là maintenant le contact clientèle est hyper important. Et puis d'autant plus qu'ils vont surtout pas hésiter à en parler à d'autres. Puis là, sur tous les réseaux, ces personnes ne viennent même pas nous voir, ne viennent même pas essayer d'expliquer, c'est n'importe quoi, fuyez, machin, puis après, ça prend des proportions énormes. Complètement. Pour des petites conneries. Donc, tu en revenais sur l'idée que, je t'ai coupé, excuse-moi, qu'il fallait se former. Oui. Moi encore, tu vois, avec le nombre de gens que j'ai formés, j'ai encore des gens qui m'appellent et qui me disent « Oui, mais bon, moi, je veux juste apprendre à faire des crêpes parce que, voilà, en gros, je veux faire des crêpes et les vendre comme ça. » Je leur dis « Tu sais, la première des choses que tu dois faire, c'est te former avant même d'acheter ta première louche. » Toi qui étais issu de la cuisine, tu es venu là avec Martin, donc ton fiston, il y avait une troisième personne. Et quand vous êtes parti de là, est-ce que... Pourtant, toi qui étais un professionnel de la cuisine, est-ce que tu avais un ressenti différent? Est-ce que l'univers des crêpes, des galettes, c'est quelque chose que tu connaissais? Alors, je ne connaissais pas du tout. Moi, j'adorais aller dans les crêpes, dans les crêperies, machin, etc. Ouais. J'adorais ça déjà au départ. Et c'était un univers nouveau pour moi. Donc, je les voyais tous tourner le truc, etc. Et comme tout le monde, on se dit, c'est facile en vérité. Oui. C'est facile, sauf que après, quand on est un peu dans le métier, on se dit, bon... C'est pas pour rien quand même que les mecs se forment, c'est pas pour rien qu'il y a un truc. Donc voilà, c'est pour ça que moi je voulais absolument qu'on se forme avec Martin. Je voulais pas une formation traditionnelle où on est 50 en cuisine. Il y a un chef qui montre à tout le monde et puis un peu qui passe dans les rangs en disant bon voilà, non, fais ci, fais ça. Moi je voulais un truc plus familial où on me dise voilà, en direct, on m'explique, on me montre le truc, on me donne un conseil, mais sur moi. C'est plus familial. Ouais. Moi c'est mon état d'esprit, donc c'est ce que j'aime. Et c'est ce qu'on a vu chez toi, c'est ce qu'on recherchait. Ouais. Petite structure,
Avec, voilà, en plus, ça se passe super bien, il y a toujours, ça rigole bien, etc. Oui, bah, donc, ouais, mais ce qu'on n'a pas dans les grosses structures, oui, c'est-à-dire oui. que quand tu es dans un truc avec 50 personnes, tu n'as pas de rigolade, tu n'as pas de truc. Les mecs, ils posent le tablier, ils se cassent, c'est fini. Et puis, tu peux pas répondre à 50 personnes, mais même à 15. Tu ne peux pas répondre à 15 personnes de manière personnalisée. Parce que chacun va te poser une question en fonction de son truc. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est là qu'il ne faut pas être non plus trop nombreux, parce que sinon, bah, tu peux pas adapter ton truc, c'est pas possible. Ouais. Donc c'était vraiment voilà notre recherche était ça. C'est pour ça que quand on t'a trouvé, on était content parce que c'était ce qu'on voulait quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs tout ça fait. S'est super bien passé. La preuve, je suis là. Tu vois, la preuve, je suis là et j'ai que des bons souvenirs. Enfin, ouais. Et donc ça m'a fait découvrir un univers que je ne connaissais pas, donc la crêpe. Où, mine de rien, le coup de main, ça ouais. prend. Oui, puis, et ça s'acquiert avec les années d'expérience, mais ça s'apprend. Oui, mais d'autant plus, toi qui es issu de la cuisine, donc tu as des réflexes. Ouais. Ah, moi, quand à chaque fois que j'ai affaire à des cuistots qui viennent là, même des pizzaïolos qui ont l'habitude de faire des assemblages et tout, on parle quasiment le même langage, donc ouais. on se comprend. Et très souvent, c'est même moi qui dis... Ah bon, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Fais-le. Parce que moi aussi, j'apprends des trucs comme ça. C'est un échange. Ou alors, si je trouve qu'il s'en mêle et où il perd du temps, je veux dire, tu sais, moi, je fais plutôt ça que ça. C'est un échange. Mais quand tu n'es pas du tout issu du monde de la cuisine et que tu es, entre guillemets, un cuisinier à titre personnel, je ne veux pas dire lambda, mais il faut avoir une base minimale, bien sûr. Mais il est essentiel en restauration. De savoir aller vite, d'anticiper les choses, etc. Et ça, tant que tu ne l'as pas fait, tu sais, j'illustre toujours ça lorsque j'ai ouvert ma propre crêperie. Moi, je suis parti du postulat, je sais faire des crêpes, je sais faire des galettes, parce qu'il y a très longtemps que j'en tournais, mais pour les copains, pour les amis. Ouais. Quand tu es dans le feu du service. Dans le feu du service, c'est comment je fais. Tu t'aperçois que tu as fait des trucs qu'il ne fallait pas faire, ou tu as investi sur du matériel qui n'était pas nécessaire. Ouais. Tu vois ouais. Souvent je reprends ça, il y a des gens qui me disent oui mais tu vois le prix de ta formation je pourrais m'acheter un robot mélangeur. Je dis pose lui des questions, robot mélangeur, ouais. que je te dise moi, c'est pas lui qui va envoyer les galettes au moment du service, le robot mélangeur. Complètement, tu vois, c'est ça le truc quoi. Ah oui. Et donc effectivement moi j'ai choisi pour juste dire deux mots là-dessus, moi j'ai choisi ce que je dis toujours, c'est le close-up à la grande illusion, c'est que je préfère avoir des gens qui sont vraiment concernés par l'idée. Après, celui qui veut juste apprendre à tourner pour faire du fric à gogo partout et ne pas justement tenir compte de tout ce que tu disais, là... Maintenant, il y a des machines, sinon. Hein. Il achète une machine qui tourne tout seul, j'ai vu ça. Voilà, 28 000 euros, et puis voilà. Et quand il aura fait 30 000 crêpes, il commencera à gagner des sous. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Donc, mais il n'y a plus d'amour de métier dans ces cas-là. Non, s'il n'y a que le pognon. Non, tout à fait. Et là, ça devient plus compliqué parce que les gens, maintenant, le truc à pognon... Oui. Il regarde un peu, quoi. Oui. Et puis en même temps, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que les gens, ils sont véritablement à la recherche de qualité, d'authenticité, avec le meilleur rapport qualité-prix, etc. Donc, il faut. C'est vrai, alors chez moi ou ailleurs, mais je pense que se former, c'est pas rien, parce que ça peut te permettre d'économiser toutes les bêtises que tu feras après. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et on en fait, hein. Mais moi aussi, j'en fais des fois, j'en fais encore, mais. Mais on en évite pas mal, quoi. Ah oui, on vois. Rattrape pas mal de trucs aussi. Non, mais on rattrape aussi. Il y a des fois, tu te dis, ah, mais j'ai raté ça, comment je peux faire? Donc, je vais essayer de faire comme ça. Ah ouais, ça marche super cool. Bon. Mais tu sais, moi, j'ai découvert, c'est ma blague préférée, en inox aussi découvert, mais j'ai découvert un truc que la pandémie a amené, c'est... Moi, j'ai vu pas mal de crêpiers pendant ce temps-là, tu vois. Ils me disaient, on n'ouvre pas, on ne fait pas d'emporter parce que ce n'est pas comme les hamburgers, parce que ça fait du tout mou, parce qu'on met ça dans des boîtes et les gens, ils réchauffent ça au micro-ondes. C'est dégueulasse. Mais après, tu te creuses un peu la tête et tu t'aperçois que tu peux sortir de la sempiternelle où ta jambe, ta traditionnelle jambe au fromage, tu peux la présenter autrement. Tu peux faire des grosses choses, des tagliatelles de trucs, de la viande de poulet grillée, partée en poké. Mais c'est, je dirais presque,
C'est nos limites, quoi. Sauf qu'il faut bien se limiter un peu. Et on peut faire des choses superbes. Alors moi, pour le truc à emporter, là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en vérité, je grille plus mes galettes, déjà. Ouais. Parce qu'on a de la demande, on fait un peu de vente à emporter. Moi, j'ai des clients qui, toutes les semaines, ils m'en prennent 2-3 fois par semaine, quoi, ouais, le soir, etc. Donc, je fais cuire l'œuf, parce que sinon, c'est une tannée. Hein, ce truc, on a des boîtes, etc., mais... Donc, je fais un peu plus cuire l'œuf. Je les préviens, je leur dis l'œuf va être un peu plus cuit, les gens comprennent. Ou tu peux le brouiller. Mais généralement, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand je dis que l'œuf est cuit, c'est-à-dire que je casse mon œuf au départ dans la galette et je l'étale. Ouais. Comme ça, ça évite que quand il coupe, ça en met partout dans la boîte. Après la boîte qui est. Ou sur la chemise. Ou sur la chemise, etc. Ça finit généralement comme ça. Mais je fais un peu plus griller ma pâte, vraiment ma pâte. Et quand je la replie, donc je la replie bien, bien fermée, comme ça ils peuvent la mettre même 30 secondes au micro-ondes, ça reste encore légèrement craquant. Ça devient toujours mou, c'est obligatoire puisque c'est fermé, l'humidité rentre dans la pâte. Mais il y a un truc que tu peux faire, c'est exactement ça aussi si tu veux, mais à ce moment-là, plutôt que le micro-ondes, tu as fermé ta galette, hein, tu fais ton... Si on parle d'une vraiment jambe fromage, tu la mets en demi-lune. Alors moi, ce que je fais, avant de la plier en deux, tu vois, tu as tourné ta galette, tu mets ton fromage au milieu, hop, tu la replies en demi-lune, ça va la tenir. Et puis là, tu peux mettre ici ton jambon un tout petit peu encore de fromage pour que ça colle un petit peu, tu vois. Et là, tu vas la replier en faire un triangle. Ah ouais, en faire un triangle. D'accord. Donc, il est bien un truc. Et là, toi, je te rejoins... Tu la travailles bien pour qu'elle soit un petit peu plus grillée et tu fais au beurre. Bien sûr. Et en fait, de ton conseil de pro, c'est que les gens, après, tu peux même en faire à l'avance. Parce que là, samedi dernier, j'en ai fait 25. Hein. Pour 25 personnes, pour un truc amical, moi, il était hors de question, je reste avec un bilic devant 25 personnes, toi. Et en fait, je les ai réchauffés, entre guillemets, 4 par 4, sans huile. En faisant juste resuer le beurre qui était dedans. Écoute. T'as même pas mis. Pas de beurre. Le beurre, il a resué de ce qui était déjà prévu. D'accord. Écoute, tous les gens m'ont dit c'est topissime. Et c'était. Moi, j'en ai mangé une aussi. J'ai retrouvé. Ben, tous les goûts étaient là. Le sarrasin, il éclatait partout. Et vraiment, c'est un truc à faire qui est génial. Et tu vas de ton conseil, tu dis aux gens, vous savez, vous sortez votre poêle, évitez le micro-ondes. 2 minutes. Moi, j'ai calculé. Hein, 2 minutes de chaque côté, quasiment à sec. C'est. Waouh. Sublime. Tente le truc, tu vas voir. D'accord, j'essaierai ça. Et moi, je dis que demain, j'ouvre un chalet, un truc, je fais ça. Hein. Ouais, et puis à côté, galette saucisse. Hein. Et puis voilà, mais c'est pareil, il faut savoir cuire les saucisses. C'est ça. Ah non, c'est. Mais là, moi, au restaurant, ce que je fais, par exemple, pour l'apéritif, je fais ce qu'on appelle des galettes apéro. Donc, galette apéro, donc je fais une galette de sarrasin. Ouais. Alors, j'ai plusieurs. J'ai émental fines herbes. Ouais. Je mets un peu d'émental fines herbes. Je l'applique comme ça, la largeur d'une spatule, tu vois. Ouais. Je coupe en petites lamelles, je mets ça avec des cure-dents, les gens mettent ça. Ah, mais c'est délicieux. Alors, donc j'ai ça, j'ai bleu noix. Ah, bleu noix, c'est bien. Chèvre miel. Ouais. Et double lard cheddar. Ah oui, alors donc tu donc je les roule. Je les fais de la largeur d'une spatule, comme ça. Oui. Là, donc ça me fait une grande bande après. Ouais. Que je coupe. Voilà. Un petit truc comme ça. Donc, tac, je mets mes petits pics, je rapporte ça dans des petites assiettes rectangulaires. Ouais. Et tu les chauffes au dernier moment ? Ah, mais je ne les chauffe pas, c'est cuit à la commande. D'accord, très bien. Ouais, ça, c'est... Alors, tu vois, je ne le fais pas encore. Moi, je fais genre des petites tapas, machin. Non, mais là, je ne m'emmerde pas, parce que le problème, c'est que nous, il y a un moment, quand on a 40 à sortir, des galettes à peau, faut envoyer, quoi. Donc, au début, tu sais, je m'étais dit un samoussa, un machin. Il y a trop de temps. J'ai dit, il faut qu'on aille au plus vite. On coupe, on fait ça, les gens. Et tu coupes de largeur. Ah bah je fais la largeur comme ça. Ouais, de 5. Que ça fasse une bouchée. Ouais, tout à fait. La bouchée. On met des petits cure-dents. Pof, pof, pof. Ah mais ça c'est une très bonne idée. Je vais la développer, je vais te la piquer. Hein. Non mais ça fait un truc de plus, tu vois, c'est bien. Et tout le monde à chaque fois me dit mais ça me démarque. Ouais ouais. Parce que tout le monde fait la cacahuète, l'olive, le machin, etc. Ouais. Ou la pizza dans les pizzerias ou le machin. Moi je suis une crêperie, qu'est-ce que je fais? Je fais des crêpes. Ouais, tout à fait. Mais on peut vraiment diversifier plein de choses. Hein. Plein de choses. Ouais. Donc on fait ça, qu'est-ce que j'ai fait l'autre fois, donc là j'ai un groupe, la BNP, ils sont venus, ils étaient 80 personnes, je leur ai fait des wraps, d'ailleurs on en avait fait ensemble, oui, ici. Et je leur fais wrap saumon, donc je fais des belles galettes de sarrasin, je mets du fromage Philadelphia que je relève avec un peu de jus de citron et ciboulette, c'est le poivre, que j'étale bien, je mets de la salade, je mets du saumon fumé et je roule. Alors toi, alors moi, il n'y a que la salade. Mais je crois que c'est un truc mais que c'est j'ai... croquant. Oui, mais c'est un truc que j'ai dans ma tête. Tu sais, dans le temps, c'est pas si vieux que ça, parce qu'il y a plein de cuisiniers qui faisaient ça. C'est-à-dire qu'on met de la salade pour faire du volume, tu vois.
Et ça, à chaque fois, moi, je ne vais pas manger de la salade, je vais manger des trucs. Alors, ça a été pour moi un frein rédhibitoire. Pas de salade. Les gens disent, je mets des salades. Fais ce que tu veux après, mais moi, je ne veux pas de salade. Alors, la salade, là, ce n'est pas pour le volume, c'est pour le croquant. C'est pour le croquant. Et tu mets sinon, quoi tu mets une roquette, un truc comme non, ça. Non, je mets la Batavia. La Batavia. Je mets des belles feuilles de Batavia que je roule avec mon saumon. Et après, je coupe tout ça en petites rondelles. Ça fait un carton. Mais tu m'étonnes pas. Mais on est bien d'accord que tu viens de rouler une galette fraîche et tu mets ton fromage, tu mets ton machin. La galette, je la fais cuire un tout petit peu des deux côtés. Oui. Donc normal. Et puis après, je la retourne et je la fais cuire un tout petit peu d'un côté. Après, je la mets sur. J'ai des grands plateaux de service. Ouais. Je pose ça. Généralement, je fais mes 12, 15, 20 qu'il faut. Et après, donc ça devient mou. Voilà. Et à froid, tu vas les travailler. Et à froid, je la travaille. Je ne les travaille pas à chaud, sinon ça casse. Oui. Mais je les travaille après. Après, tu coupes et au dernier moment, tu réchauffes un petit peu. Même pas. Ah non, parce que là, c'est saumon frais, etc. Réchauffer. Ben oui, je suis bête. Pas réchauffé, comme ça. On fait des belles assiettes, on les décore un peu, machin. Ah, c'est super ça. Donc voilà, c'est plein de petits trucs. On développe. Je pense que je vais développer l'idée pour voir et les tester. C'est une bonne truc. Ça. On essaye de faire plein de petites choses différemment. J'ai supprimé une galette de ma carte que je pensais qui n'avait pas trop sa place, etc. En vérité, c'est un carton parce que tout le monde me la demande. C'est une galette avec des pommes caramélisées, du canard confit. Ouais. Et du cheddar. D'accord. Truc atypique. Quand les gens voient ça, ils me disent, mais c'est un peu bizarre ton truc, etc. Quand ils la goûtent, ils me disent, putain, c'est une tuerie. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, la plus vendue, c'est la biquette chez nous. Donc, c'est, c'est fromage de chèvre. Fromage de chèvre, noix, miel et pommes caramélisées. Noix, cerneau de noix. Alors, cerneau de noix, hein, je prends des déclassés que je broie un peu comme ça. Ouais, tout à fait. Et donc, je mets du miel à la fin. On a donc sur notre nouvelle carte, on a sorti donc deux avec une au saumon frais et une au saumon fumé qui commence à bien démarrer. Hein? Saumon fumé, emmental, pommes de terre, ciboulette, saumon fumé. Pommes de terre, pommes de terre. Alors on fait des pommes de terre sarladaises. Oui, voilà. Donc c'est pas de la pomme de terre crue basique, c'est des pommes de terre qui sont cuites dans les graisses de canard avec des herbes de Provence, un peu d'ail. Ça peut être que bon cette aventure-là. Donc voilà, tous nos produits sont travaillés. Ouais. Il n'y a pas de produits de base. Moi, quand j'ai racheté, c'était des sœurs. Elles faisaient que du truc de base. C'est à la sauce tomate, c'était de la tomate qu'elles faisaient bouillir, c'est tout. Donc moi, non, c'est tout est avec des oignons, ça cuit avec des herbes, des machins, tout est assaisonné, tout est frais. Donc comme ça, on peut faire des choses simples, mais qui ont du goût. Mais en gros, tu as une carte, tu as une dizaine de produits. 13. 13, c'est ça. 13. Est-ce que toi, c'est nécessaire d'avoir ces 13-là ou on aurait pu imaginer que tu aies par exemple les 5-6 basiques et que tous les jours, tu aies une suggestion, une édition limitée. Alors, on a une galette du jour en plus. Ouais, en plus. Donc, il y a une 14e. C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a un moment, on se dit, bon, alors si je vais enlever ça, bon, ok, après je vais enlever ça, et puis après, je vais enlever ça. Bon, et en vérité, les gens nous réclament toujours. On vend tout, en vérité. C'est ça le truc, c'est qu'on vend tout. Alors, je ferai 30 couverts par jour. Oui, j'aurai une carte avec 5-6 galettes, une galette du jour, et puis on fait tourner. Oui. Je refais une carte tous les 6 mois, basique, machin, etc. Là, c'est pas le cas. Donc, j'en ai une qui marchait très bien aussi, c'était ce qu'on appelait la côté saine. C'était emmental, mozzarella, jambon cru et pesto. On était du pesto par-dessus. Là, quand on l'a fait en galette du jour, c'est un truc. Et la plupart de tes galettes, elles sont servies fermées ou tu t'arranges pour qu'on voit les ingrédients? Alors, les galettes de la carte sont tous en rectangle, c'est-à-dire qu'on voit toujours l'œuf ou le truc, on voit toujours un petit peu au milieu ce qu'il y a, et les galettes du jour sont triangles. D'accord. C'est un truc mémotechnique pour la salle et la cuisine, etc. Ça, c'est bien, c'est une très bonne idée. Comme ça, les gens savent que la triangle, c'est la galette du jour. Ouais. Il y a déjà une galette où ils ne nous demandent pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est compliqué. Quand tu as une table de. Alors, nous, le problème, c'est que comme c'est des bureaux, tu n'as que des grandes tables. Ouais. Bonjour, on est 12. Bonjour, on est 18. Bonjour, on est 16. Ok, donc quand tu as une commande de 16 galettes, enfin, il n'y a pas que des galettes, mais quand tu as la commande avec toutes les trucs, etc., il faut. Alors en cuisine, vous êtes combien? 5? On est 4. 4. 4, mais avec une plongeuse qui ne fait que les desserts. Que les desserts. Et la plonge et les cafés gourmands, les trucs comme ça. Quand tu dis qu'elle fait les desserts, c'est-à-dire que c'est elle qui va aux crêpes aussi? Ah non. Non, donc non. Nous, comme on est devant les biliques et qu'il n'y a plus de place,
Nous, on lui chauffe les crêpes, on lui donne, on lui dit voilà, tu fais une caramel beurre salé, une chocolat, tu fais une bounty, tu fais une ouistiti, tu fais un machin, etc. Donc elle, elle finit, elle met les ingrédients, le machin, mais nous, on réchauffe les crêpes. Ouais. Comme ça, on est déjà trois devant les biliques, c'est déjà. Vous servez beaucoup de glace avec les crêpes ou pas? J'ai pratiquement les trois quarts de mes crêpes dessert sont avec des boules de glace. Ah ouais, c'est marrant ça. Et ça marche super. Ça marche bien. Ça marche en fer. Et les caramels, est-ce que tu en vends? Du caramel, alors en pot ou oui, non, à mais côté. Est-ce que tu fais ton caramel déjà? Ah oui, ah oui, bah, forcément. Attends, depuis que je suis venu chez toi, j'ai découvert le mais caramel. Est-ce que tu en vends à la caisse? Non, j'en vends pas. J'ai pas le temps de faire ça. Ouais, c'est ça. C'est là où nous, on est déjà. C'est ouais, parce que ça demande une prod quand même. Hein. Ça demande, ouais, et puis faut le temps de faire ça. C'est vrai que nous, déjà, quand on en fait une ou deux fois par semaine. Ouais. Quand on fait déjà 4-5 litres de caramel. Ouais. On ne les fait plus par litre, hein, on fait 4-5. Et mais c'est une tuerie, quoi. Tous les gens nous disent, mais on redécouvre le beurre salé. Ah non, mais c'est vrai, hein. Moi, c'est totalement. Ta recette est vraiment. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai imposé cette recette-là, quoi. Et, donc, on est sur cette recette-là. Le chocolat, toujours pareil. Ouais. Chocolat maison. Chantilly, donc au début, ils étaient tous avec des bombes quand j'ai acheté le truc. J'ai acheté une machine à chantilly. Ça m'a coûté un bras, mais. Oui, mais au moins, j'ai de la chantilly. Les gens, quand ils. Puis t'as une constance. T'appuies, les quantités, les machins, les trucs. Mais c'est de la chantilly, ta chantilly, ça. Elle reste 5 minutes sur l'assiette, elle tombe pas. Ouais. C'est pas de la flotte, quoi. C'est pas de la flotte, c'est ça le truc. Hein. Donc voilà. Bah, dis donc, quelle aventure. Ouais, hein, ouais, grosse aventure. Grosse aventure. Grosse aventure. Grosse aventure, grosse affaire, et voilà. Ouais, des fois, c'est un peu, on se dit, ouais. Donc quand on s'est mis, on voulait trouver quelque chose d'un peu plus soft. Ouais. Et non, quoi. Mais peut-être que tu sais pas faire soft. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est surtout ça. Ouais, ça, c'est bien. Donc, voilà. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, merci de cet échange. Merci d'avoir accepté qu'on enregistre notre conversation. Avec grand plaisir. Et je pense que ça servira à beaucoup de monde. J'espère. J'espère hein? Faut que ça serve au plus grand nombre pour que voilà, que les gens fassent. S'ils font ça, c'est que ça soit vraiment du bonheur. Ouais, faut que ça soit du bonheur, sinon ça devient vite l'enfer. Oui, oui, ça devient l'enfer. Puis quelle que soit l'activité, de toute façon, il faut le faire. Mais pour tout. Ouais, pour tout. Pour tout. Mais c'est bien ces choses-là. Moi, j'aime bien. Puis j'aime bien ces retours-là aussi, quoi. Ouais. Parce que c'est des histoires, quoi. Ouais, hein, ouais. Puis voilà, c'est une continuité. C'est, on a démarré, on a commencé avec toi, et voilà, il y a des nouvelles au fur et à mesure. C'est rigolo. Bah, si tu veux, moi, j'avais comme je te le disais en off tout à l'heure, moi, on avait prévu, mais bon, on a eu des gros soucis de santé, ma belle et moi. Ma belle des plus gros que les miens, mais on avait prévu effectivement d'aller se balader, d'aller voir ceux que j'ai formés, que j'aime bien, etc., dont effectivement tu aurais fait partie, avec ou sans Martin, mais bon, la vie, on a décidé autrement. Mais voilà, nous, on a des bouts de parcours, donc c'est bien, hein. Ouais, c'est des rencontres humaines. Ouais, c'est des rencontres, c'est des belles rencontres. Eh bien, écoute, moi, je vais te souhaiter plein de choses. On va arrêter l'enregistrement ici, puis voilà, hein. Et puis. Plein de bonnes choses à toi, Antoine. Plein de bonnes choses aussi. Ouais. Merci à toi. Salut, Patrick.